Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager un message important avec vous, une canalisation que j'ai reçue, une canalisation qui a pris vraiment sa forme il y a quelques minutes, mais que j'ai reçue d'abord vibratoirement avant d'avoir des mots. J'ai d'abord eu des vibrations. J'étais assise dans ma cuisine il y a quelques jours et j'ai été... Il y a un aigle qui crie, magnifique. J'allais dire j'ai été traversée par quelque chose, une onde. Mais c'est pas traversée, j'ai été percutée par ça. C'était dans mes énergies déjà depuis plusieurs jours. On est dehors, il y a du vent. Vous aurez peut-être du vent dans mon micro. Je devais être assise ici, sous un pommier, entourée de bonnes pommes et pommes pourries, bien ancrée contre le tronc d'arbre, dans le vent, dans le cri de cet aigle qui plane. Et j'étais tranquillement assise et j'ai vraiment été traversée par cette onde vibratoire très profonde, très forte, très puissante, qui m'a fait trembler et qui m'a fait pleurer. Et j'ai eu plein d'images. Mon mari est arrivé, il m'a dit « Qu'est-ce que t'as ? T'es triste ?» J'ai dit « Non, je suis absolument pas triste, j'étais pas triste. » C'était juste cette vibration qui était tellement forte. Comme pour... ne pas avoir la totalité du message en une fois pour à la fois me préserver et sans doute me permettre de l'intégrer en douceur, on va dire ça. Eux, c'est ce qu'ils ont l'impression d'avoir fait. Moi, c'est pas du tout l'impression de ce que j'ai vécu. Mais c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Je demande, vous demander peut-être de vous installer, de prendre des écouteurs pour écouter ce texte qui, je trouve, n'est pas si simple que ça à comprendre. Mais ils m'ont dit « tu t'en fous ». C'est pas les mots qui comptent, c'est la vibration qu'ils contiennent et la vibration va passer. Accrochez-vous à vos sièges. Je dois d'abord mettre en place quelque chose qui est... Il n'y a aucune notion de temps dans ce que je vais vous dire. Ce dont je vais vous parler ne dépend pas d'eux. Ne dépend pas de Dieu. Dépend d'autre chose que ça. Et dépend de nous, dépend de tout. J'espère que vous m'entendrez bien malgré le souffle du vent. Je vais un peu protéger mon micro comme je peux, comme on peut. Ce message n'est qu'une vibration. N'essayez pas de l'analyser pendant que vous le recevez. N'essayez pas d'en faire quelque chose, de créer quelque chose avec ça. Par votre mental, recevez-le simplement. Si vous ne comprenez rien, vous pourrez revenir après dessus si vous en avez envie, ils me le disent, mais c'est pas nécessaire. Mais je vais mettre mes lunettes. Un nouveau souffle. Nous devons vous transmettre un message. Certains le prendront comme une mise en garde. Ce n'est néanmoins pas ce qu'il est. Le temps nécessite... Attendez, je recommence, j'essaie de me concentrer.
le temps n'existe pas. Pourtant, nous vous préparons à être prêts et à être stables dans votre calme conscience. Les codes de lumière diffusés sur Terre et donc en chacun d'entre vous s'intensifient en puissance atomique. Le souffle de l'explosion solaire centrale, cette impulsion électromagnétique vient détruire tout ce que vous n'êtes pas. Nous savons que cette période est très inconfortable pour beaucoup d'entre vous. Mais il ne s'agit pas que de vous. Il ne s'agit pas que de la Terre et des humains. Nous sommes tous interconnectés. Et toute action, pensée, émotion, soit-elle de haute ou de basse vibration, impacte l'univers entier. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont maintenant accès à cette réalité. Tout est atome. Énergie, noyau, vide. Une explosion intérieure de vos atomes, de votre ADN est en cours. Chaque vague de souffle, de code de lumière provoque en vous une réaction en chaîne, créant la dislocation intérieure, mais aussi extérieure, de systèmes obsolètes. Cette onde de choc, ce souffle, prémisse d'un basculement, vient vous ébranler afin d'ancrer votre stabilité, afin d'être inébranlable, neutre et serein face à ce qui vient. Quand cela arrivera, ne dépend pas de nous. Ce qui vient dépend du lancement de l'offensive visible pour la majorité et non plus pour une minorité. Cette propagation de l'onde des codes de lumière en vous et sur Terre a déjà provoqué une réaction, un rayonnement lumineux en vous, un éveil. Ce flash de lumière est arrivé avant l'onde qui doit se manifester. En cet instant, vous ressentez des flashs thermiques intérieurs et extérieurs. Bouffées de chaleur dans vos corps, intenses, et explosions solaires extérieures. Cette impulsion électromagnétique détruit tous vos circuits sensibles. L'explosion émise par les codes de lumière sont assez puissants pour cuire les systèmes intérieurs et extérieurs, j'entends. Désormais, vos vibrations, soutenues par le haut taux vibratoire de la Terre, se projettent
telles des particules chargées, interagissant avec la Terre, mais aussi bien au-delà de votre galaxie. Ne vous en croyez pas pour autant très important. Nous vous le répétons, nous sommes tous dans l'instant d'éternité. Ce champ d'énergie même, s'il reste encore faible, grandit de plus en plus et va induire des courants de lumière vibratoire dans la Terre, dans les océans et dans l'atmosphère, faisant disjoncter certaines installations électriques ou technologiques. Nous vous en informons. Ce champ d'énergie sera comme un orage magnétique suite à une éruption solaire. C'est votre propre éruption de lumière. Le souffle de Dieu en vous. Laissez le souffle de l'Esprit œuvrer en vous et rayonner. Votre identité s'efface. Tous les personnages meurent pour faire face à la simplicité d'être le véhicule d'une étincelle créatrice. Il n'est nul besoin d'apprendre à s'aimer si vous acceptez d'être amour. Il n'est nul besoin de croire qu'en notre être est lumière. Il n'est nul besoin de faire quand on laisse l'esprit agir. L'esprit n'a que faire de vos doutes, de vos émotions, de vos questions. Il est source tranquille. Ne vous demandez pas quoi faire, quand le faire. Comment faire? Laissez l'esprit agir. Il n'a nul besoin de se demander comment œuvrer. L'esprit est œuvre divine, perfection de création, connaissance. Recevez. Laissez agir, bercez l'Esprit Saint en votre calme. Restez face à lui, tout en observant, neutre, l'illusion de l'onde de choc arrivant. Vous êtes tout. Vous êtes infini vibrant, vous êtes désormais responsable de l'esprit vivant. Cette acceptation ne vous diminue en rien, puisqu'elle n'est que l'accord retrouvé d'une union d'éternité oubliée. Esprit tu as été, esprit tu seras, esprit tu es, à chacun de tes pas, ici ou là-bas. Si question il y a, demande-toi, esprit, es-tu là? Transmis par les maîtres sages d'Orion.
je ne sais pas si. Et une carte. Dans l'Alliance Galactique. Je tremble. Oui, je sais. Alors, les visions que j'ai eues quand j'ai reçu cette onde de choc lumineux, était vraiment pour nous préparer à avoir sincèrement, authentiquement, ancré notre éternité, sans aucun doute possible. Beaucoup, on le sait, on l'a dit, on est prévenu. Beaucoup de personnes vont quitter ce plan. La vague que j'ai reçue et les visions que j'ai eues parlaient de ça. Et l'onde de choc lumineuse que nous recevons pour le moment est vraiment là pour ancrer totalement, définitivement, notre notion d'éternité en nous, en nous pour les autres, en nous pour ceux que l'on aime. En nous. Soyez vrai et peu à peu, en vous acceptant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Code j'aime, semence issue des émanations et radiation du Père divin, Star Code, l'œil. Observez, ancrez-vous. Quand je deviens ferme comme ça, je le sens dans l'énergie. Ce message doit... Faut que ça passe. Alors, carte 7, l'initiation, chiffre divin. Je vous montre l'image. C'est aussi pour cela que vous êtes venu, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer, à savoir que vous êtes amour, pour mieux aimer. La carte suivante, Hypermétron Star Code. Carte 45. La stabilité dans l'humain, la stabilité dans ce nouveau souffle, cette nouvelle aventure, ce nouveau défi. L'amour est un, mais ses manifestations sont multiples.
Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors, votre vie deviendra comme un si grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Et j'entends vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie, vie, vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que le son est bon. Accueillez cet esprit en vous. Déposez-vous afin qu'il agisse. Arrêtez de contrôler ou de croire que vous pouvez le faire. Travaillez vos attachements en aimant tout le monde pareil. Marchez pieds nus dans la nature. Respirez. Soyez. Merci. Au revoir, à bientôt.